vergaderzaal van de Driehoeken uit Sibrandamuren, gepresenteerd door Jelte Hoekstra. Meteen horen we al applaus op de tribune. De sfeer zit er al goed in. Nou, nog een paar duizend mensen weer in de piek, dan komt het helemaal goed. 2:45, de KFBS-hengste Robert 498. Zoon van de drievoudig kampioen Norbert 444. In bezit van Pieter Akkema uit de Marsum. Reden door Lieke Lux. Dan is het deelnemersveld compleet. We hebben de dagprijzen. We gaan niet uitreiken. We gaan straks de eindstand van de competitie uitreiken. Jan en Fabio allemaal bij. Voor de winnende aanspanning 20 punten. Voor de nummer 2 18. En voor de nummer 3 16 punten. Dubbele punten dus in de finale. Nou, drie strakke gezichten achter het mooie Friese paard. Gespannen om super best te doen hier. Deze finale werd mogelijk gemaakt door de medesponsor Stoetrij Wolfstein, Lieve Heuvelunteren, Dreesman, Ruimtesport en Viso. En hoofdsponsor Horses to Fly. Inspectie van de juwelen. Wij zijn naast de reguliere prijzen is ook een stelprijs beschikbaar. En zij zijn al beoordeeld door Herma Donker en Annie Zwooy. Die kijken echt alle details aan. We willen straks met een eindoordeel gaan komen. We weten dat de Friese paard houdt van de show, houdt van een beetje aanmoedigen. Dus moeten we even kijken hoe het loopt zo dadelijk met deze jonge deelnemers. Maar het zou mooi zijn als u laat weten dat u fan bent van deze drie deelnemers. Arman staat, Jelte Hoekstra en Lieke Lux aan de strijd met elkaar aan. En de heer Landheer, onze ringmeester, Tim Bloedlaf. We gaan de muziek starten en we gaan de wedstrijd beginnen. De finale, Horses to Fly, KFBS Sport Competitie. Wat kan zo'n Fries paard dan deftig zijn aangespannen? Met een mooie vieren houding. Met een geweldig mooi zweefmoment van het achterbeen. En een krachtig ondertreden achterbeen. En een heel mooi zweefmoment van het voorbeen. Kijk ze nou! Ja, er zit een flatbuck op de tribune. Drie vechte paarden. Kijk naar die gezichten van de deelnemers. De spannen. Ze willen het uithalen wat erin zit. En als u nou een favoriet hebt, dames en heren, dan mag u dat laten weg. En dan gaan we zo dadelijk over de diagonaal. Kijken wat er in deze wereld hier aan de andere hand. Het is een klein deelnemersveld, maar je ziet het drie keer kwaliteit hier in de baan. Beide paarden, geweldig bewegen. Veel losse rechten, veel schoen, veel elasticiteit. Je mag zadelen, ook vanaf de longe. De jury in dit geval met drie aanspanningen in één keer kunnen plaatsen. Maar les trois attelages, mais ils ont décidé de l'allonger un tout petit peu.
Donc, il se peut que les résultats se modifient. On a le juré très souple dit encore, tous peuvent encore faire un tour pour se faire leur preuve. Et on va faire un nouveau parti de la finale avec les trois chevaux. Les prix du jour ne seront pas remis tout de suite aujourd'hui, mais ce serait à la fin. Donc maintenant, les doubles points pour le vainqueur. Et on a une musique. Mais là, tout se joue maintenant. On va voir le score intermédiaire. 19 points d'avance. Un point en avance sur le deuxième. Ils se valent tous. C'est un moment décisif qui se joue actuellement. Ah, c'est magnifique l'allure de cette le cheval de Frison, le joli fanon, tout est mis en valeur. Et le jury devrait bientôt devoir prendre sa décision. Le dernier tour les voici en route vers la finale. Qui sera le gagnant? On va les mettre sur la première place, numéro 245. Alors, 3, 4, 16 et 194 en troisième place. C'est le premier prix pour Robert Vier, 4, 9, 8. Le deuxième, Armstrong avec Silk Fantake Silk. Et troisième place, Jomse Hoekstra. Mais maintenant, le résultat final, ils sont très proches. Les résultats sont très serrés. Messieurs, dames, à la troisième place, on va monter en tension avec 34 points. C'est Jalte Hoekstra. Donnez un grand applaudissement. Sur la deuxième place, avec un score de 37 points, c'est un point de Haram Hoekstra. Aussi pour lui, un grand applaudissement. Alors ça signifie qu'avec 38, c'est Robbie Fier pour Likelux. Juste à peine démarré, Likelux. On va voir le signe qui aurait le prix, appelé Stel Prize. Karin Biedeveld, lui, donne les prix. Le cheval reçoit une jolie écharpe. Tous les membres de la direction de la fédération FPS sont aussi présents. Trésorier. Karin Biedeveld, Johannes Silkema.
Russia Survive, Gaan FPS voor competitie. Udo Daan, die hoort daar ook nog bij. Penningmeester, altijd belangrijk. Le trésorier se pose à côté de gagnante. Met Jelmer Ketelaar. Jelte Hoekstra met GPD Wart is de winning. Exo. Zondagavond steun naar Arne Hamstra. Met Silke van Teken Ziel. Vandaag gewonnen. En de competitie gewonnen door Robert 498. C'est le gagnant, c'est le propriétaire Vita Alkema. Un grand applaudissement pour Mieke Lux. C'est génial. Ils ont à peine démarré avec les chevaux prison. C'est un magnifique moment. Et nous allons annoncer le prix de Stell Prize. Qui, ce sera qui? Merci Fred. On a regardé dans les détails. Ça nous a fait tellement plaisir. On est très fiers de vous, que vous faites autant d'efforts dans le sport d'attelage et ce que vous réussissez à faire aujourd'hui. Et donc, on a accordé le prix à Lick. Elle gagne également aussi le prix du style. Et on lui accorde le prix. Ben, la journée ne peut pas être plus beau belle pour Lieke Lux. En die shots die maakt Porsche plaatjes even van. Lieke. Even een reactie, hè? En de finale gewonnen. Et une petite réaction, vous avez gagné la finale et le prix du style. Quelle est votre réaction? C'est magnifique. Oui, le sentiment, les images et le caractère. Est-ce qu'il y a une différence entre pour les différents chevaux? Tout est magnifique. Maar mooi, de eerste reactie van de winnaresse Lieke Lux uit Diemen. En bij mij is dit natuurlijk ook Harm Hamstra en Jelte Hoekstra. Drie toppers voor de toekomst hier in de baan. Mooi dus support van Horses to Fly. Ze gaan er voorbij komen. Gewonnen. Alles gewonnen. Donc c'est Lieke Lux qui remporte tous les prix avec Robert. Voilà, le public est aussi en train et s'emporte comme le cheval. Voici les gagnants du futur. Lieke Lux, Harm Hamstra. En laten we eerlijk wezen, de man met de meeste fans op de tribune. Et ensuite l'homme avec le plus de supporters sur les tribunes, dans les gradins, Jelte Hoekstra. Jelte nog even in de dag. Jelte en trottinant. Nee. Et Lieke ne semble pas en avoir assez. Regardez l'expression. Quelle puissance dans les jambes postérieures. Félicitations à tout le monde. Et merci pour la bonne calculation sans ordinateur ou calculatrice.